Bien, bonjour à tous, c'est Willy Jemon et bienvenue, très chers amis, dans le 30e épisode donc de Warren Code 2. Je suis en compagnie de Pietro. Bonjour Pietro. Allô. Qui s'est remis de son sel légendaire. Il est comique, bien. Et donc, comme vous le savez, tous les 5 épisodes, ce sont les épisodes du fight. Alors, très cher Pietro, qu'est-ce que tu vas m'interdire? Tu commences par me le dire, que tu veux m'interdire. Si tu veux. Alors toi, je t'interdis les potions. D'accord. Oui, parce que tu m'emmerdes avec tes potions à la con. Ok. J'en ai plus celle-là. Et moi, je vais t'interdire le poulet cuit. Quoi ? Tu veux m'interdire le poulet ? Je vais t'interdire ta bouffe, oui. D'accord, mais dans ce cas, je retourne chez moi, je vais me chercher ah, autre non. chose. Ah bah non, bah tu déconnes, attends, Non mais on prive pas de la source de bouffe, ça se fait pas. Eh bah justement, ça innove. Tu vas devoir faire sans bouffe. Oh putain. Comme moi, je dois faire sans potions. Donc mets les potions là, tu vois, c'est ce que j'avais pris. Et toi, tu mets ta bouffe. D'accord, bon... Admettons, je m'y attendais pas, je vais être sincère, je... Non mais franchement, je... J'ai d'accord. Eu un éclair de génie, je me suis dit, si moi j'ai pas le droit à mon arme favorite, il aura pas le droit à sa régène. Ouais, d'accord, mais enfin pour le coup, c'est un peu déloyal en ma faveur quand même, parce que bon, bah... Si j'ai pas de régène, je fais comment? Tu m'as enlevé mes pommes d'or la dernière fois. Ah oui, d'accord, mais enfin les pommes d'or, ça t'avait pas handicapé plus que ça, t'as gagné, hein. T'as qu'à prendre deux sources de bouffe, hein, c'est pas ce que je fais, moi. Sérieusement, quoi. J'ai bien précisé le poulet cuit. Ouais, j'ai suivi tes épisodes, et tu ne manges que ça. Bah évidemment, j'ai une source de bouffe, j'ai une source de poulet, évidemment que voilà, je ne bouffe que ça. Tu faire autre chose que construire une baraque hypothétiquement nulle. Je t'emmerde. Non mais voilà, sérieux. Voilà, développé ton agriculture. Voilà. Ah bah, donc, ouais, c'est une bonne base pour cet épisode. Non. Oh non. Donc on dit 20 minutes le fight. Bah non, on fait des épisodes d'une demi-heure. Une demi-heure. Ouais, une demi-heure. Ok, bah quand tu veux. Bah là, pour le coup, moi je suis baisé. Enfin, je. C'est merde quoi. Ah, c'est si tu te tues toi-même. Ça compte pas comme une mort pour moi. Oui, d'accord. Tiens, en parlant de mort, est-ce que t'as mis les inventaires? Non, mais il faut que tu fasses. D'accord, alors attends, vu qu'on n'a pas encore commencé... De toute façon, je te refile. Hein? Je vais faire un slash feed au début à chaque fois. Ouais. C'est ce que je fais tout le temps. Alors donc tu disais, ah oui, faut que je retourne au spawn. Ouais, mais du coup c'est au spawn des arènes qu'il faut que je retourne. Il est où le portail? Tu veux faire quoi? Bah le keep inventory. Non, attends, je vais le faire. Game rule. C'est keep inventory true, c'est ça? Ouais. Hop, je vais aussi faire un... Merde, qu'est-ce que je voulais faire à l'instant là? Je ne sais pas. Merde, j'ai oublié. Comment ça Pietro, voilà. Ta mère? D'où est-ce que t'écris ça, toi? J'ai testé le délai pour le message de fin. Et c'était le seul truc qui... oui, ce que je voulais faire, c'est spawn point... Oui. Ah, faut que vous mette... Voilà, normalement, il faut aussi l'être spawn... C'est pas fort. Donc maintenant, je peux faire le délai 30m/c. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, attends. Je vais baisser ton son parce que je sais pas comment ce que ça va donner au montage, mais ton son est super fort pour moi. J'ai lancé le delay. Ok. Bon, bah, bonne chance. Hein. Eh bah merci. Mais pour le coup, sans la bouffe. Attends, je fais un slash feed. Non mais c'est bon là. Je... Non mais au cas où t'es baissé un petit peu de truc. Voilà. Et on va dire qu'à chaque fois que tu me tues, t'as le droit à un feed. Ça te va? Si tu veux,
Je veux pas te tuer beaucoup, donc... Ah, là, sincèrement, je suis dégoûté au plus haut point. Parce que, bah, on va être sérieux... J'ai pas vraiment beaucoup de chance. Surtout qu'en plus, ma connexion a baissé pour une raison qui m'est obscure. J'ai appelé Bouygues Télécom. Oui, mais votre connexion a pu baisser naturellement sans qu'on ait rien à faire. Ah, j'avais oublié ça. Aïe. Ah, j'ai plus mes potions, c'est vrai. Je vais là, tout va bien. Ah, moi, il faut vraiment que je mette en potion aussi. Je brûle de façon infinie. Tout Ouais, va bien. moi aussi, moi aussi. Bon, là, t'es nettement avantagé par rapport à moi, on va pas se mentir. Ouais. Bon, là, je vais avoir des lags pour le coup, parce que ben, ma connexion a baissé pour une raison qui m'est totalement obscure, hein, comme je disais. 1-0. Donc, bon. C'est chiant avec ton truc, en plus j'ai pas pris de... J'ai récupéré mon pseudo en fait, ou pas? Hein? J'ai eu un lag, j'ai pas pu récupérer mon pseudo en fait. Ah, bah moi je vais pas récupérer de solo, mais en même temps t'as récupéré ma lave, donc bon. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, tu la réutiliseras pas, parce que d'habitude, je m'en fous un petit peu de me prendre la lave, vu que j'ai Fire Resistance. Eh oui, évidemment. Et que parce que j'ai été faire, je l'ai pas pris au début. Mais tes pommes d'or, elles te filent pas Fire Resistance? Un petit peu, je crois. Si, voilà, c'est moi ce qui me semblait. Puis si je veux, je peux vraiment avoir une assistance pétée pendant quelques secondes avec les pommes de note, mais cette fois-ci, je ne les ai pas prises. Et que mes pommes d'or. Alors t'es où espèce de sac à merde? Alors pour ne rien vous cacher, hein, j'ai un peu mal au crâne. Si jamais vous voyez que je suis pas ultra enthousiaste, c'est à cause de ça, sachez-le. Mais bon, je vais tout de même essayer de faire de mon mieux pour gagner, hein, faut pas déconner. Bon, vous voyez que ma bouffe est déjà en train de baisser. Ça va être la grosse merde. T'es où? Je te vois pas. Je suis un chasseur, je te chasse. Eh bah, chasse-moi pas trop non plus parce que... Je te hunt. À la fin, le gibier s'en va. Je te scoute. Tu me scoutes, quoi? Ah mais non, je suis idiot, c'est ça que j'aurais dû faire. Il est où? Il est là. Hop, je pense que j'ai moyen de m'en sortir même sans bouffe. Avec quoi? À ce qui paraît, il y a des ours polaires dans l'arène, t'es au courant? Ouais. Et les ours polaires, ça donne du... Poisson. Merci. Ce problème, c'est que celui que je viens de tuer, on a pas filé. Ouais, c'est un rare loot. Hein? C'est un rare loot. Bah ça fait chier, rare ou pas rare. Ah, l'enculé, il m'a vu. Non, laisse-moi tranquille. Jamais. Jamais. Je ne te... Aïe, oh! Aïe, mais ça va pas, non? Mais putain d'enculé de merde. Pas passé loin celle-là. Putain. Ouais, d'accord. Ok, je t'ai pas touché, moi? Bon, pas sincèrement. Ça me fait chier. Heureusement parce que j'étais en train de mourir debout. T'es sérieux? Ouais. En fait, au moment où je t'ai vu, j'ai fait oh putain, je voulais me nourrir, mais bon, je voulais pas être focus non plus. Bon, j'essaie de me balader un petit peu quand même. Histoire 2, faut que tous les ours polaires que je vois du coup.
Ah, évidemment, il fait essayer de me priver de ma source de nourriture. Enfin, si jamais j'ai une source de nourriture, parce que jusqu'ici. Ouais, il a drop du poisson fer. Putain, t'es sérieux, quoi. Cette malchance que j'ai. C'est pour te saler un peu plus les plaies. Ouais, là, je suis déjà bien salé en sorte, donc bon. Mais en soi, t'as un très bon réflexe de chercher les ours polaires. Bah, je le cherchais pas en fait, je l'ai croisé. Je l'ai croisé simplement et je me suis dit, ah, mais attends, il est pas censé filer de la bouffe celui-là. C'est pour ça que je vais essayer de me concentrer sur les zombies. Ah, à la bonne vieille époque, moi je mangeais que de la charcuterie. Oh, ok, oui, je m'en souviens bien. Que les gens aimaient chez moi. Après, ils m'ont détesté. Bon, bah, en tout cas, on espère que ce petit épisode vous fait toujours. Que vous avez bien apprécié mon salage. Le plus ah oui, j'espère que vous l'avez apprécié son salage. Mais dans les règles de l'art que vous l'avez apprécié. Parce que moi, je me suis tellement mais bidonné. Ok, j'ai un peu de bouffe. C'est cool. Wow. Ah non, c'est un russe. Enfin, c'est un strait, pardon. Bon, dégage. Je cherche, mais je le trouve pas. C'est bête. En même temps, je me cache pas pour rien. Parce que oui, là, je suis caché, hein, faut le savoir. Honte de toi. Bah, vous demandez ce que je fais depuis tout à l'heure, mais je me cache. Hein. Moins je bouge, moins je perds de bouffe. Donc bon, voilà quoi. On va pas se mentir. Serais-tu dans la muraille? Ah, ça, je ne sais pas. Ouais, mon coup, pour l'instant, je gagne 2-0, donc ça passe bien. C'est vrai. Ah, d'accord. Ouais, j'ai failli faire péter le portail à cause d'un coup. Faire péter le portail. Faire le portail, quoi. Une flèche qui donne lenteur, ça pouvait être pas toi, vu qu'on n'a pas encore en croix des dragons. De quoi? Les flèches qui donnaient lenteur, c'est forcément pas toi. Ah non. Je n'ai pas encore fait de flèche comme ça, moi. Ah, normal, il faut avoir vu le dragon pour le faire. Ah, c'est avec le dragon qu'on peut le faire, ça? Ouais, il faut récupérer du dragon de Bresse, hein, la souffle de dragon, pour après faire des potions de lingering, et puis après, on pourra en la mettre sur ses flèches. D'accord. Oui, normalement, oui. Oh, les petits. Oh, par contre, ils vont m'attaquer. C'est un petit. J'ai vu qu'il y avait un petit. Alors, ah, ça fait un joli bruit, le squelette. Le squelette de glace, là. Ah, bah, d'accord. Le lag me fait tomber dans un zombard. Normal. Tout va bien. J'ai paramétré le serveur pour qu'il te fasse laguer que toi. Hein. Moi, c'est ma connexion qui pourra, c'est tout. Ah putain, mais il est là en fait. Putain, elle est pas passée loin celle-là. Elle est pas passée loin celle-là. T'es sérieux ou tu veux faire toper un creeper sur la gueule? Ouais. Je te rappelle que les creepers ne font pas de dégâts au monde. Ça ferait. Et donc ils font pas de dégâts à nous non plus en fait. I will hurt you. Ouais. Je vais te frapper mon petit. Mais je t'en prie, fais. Oh, par contre, je trouve ça curieux, moi, ma vie ne se régénère pas avec la boucle de zombard.
Bon, bah celle-là, à mon avis, je peux pas la gagner non plus. Ce n'est physiquement pas possible. Je suis désolé. Il y a des moments où, quand je peux pas, je peux pas. Hein? Passe un petit peu le fourbe. Bah oui, Tu d'accord, mais sais rien enfin, faire. je sais pas faire le four. Moi, je suis pas comme toi. Allez, putain, faut pas 1500 pour se téléporter, quoi. 3-0 du coup. Ouais. Peux encore revenir. Hein. Oui, je peux, c'est vrai, mais. Faut juste pas courir en fait. Ouais, le problème, c'est que pas courir, ça va m'être un peu compliqué, tu vois. Où est-ce qu'il est? Moi en tout cas je tourne, hein. Je ne fais pas que rester en l'air. Je prends plein de flèches dans la gueule. Oh. Oh. Non mais sérieusement les stèles là. Laissez-moi tranquille. Je sais qu'il y a toi aussi, hein. C'est juste que pour l'instant je suis encore emmerdé par les d'à côté. T'as rien, moi c'est l'espèce de lag de l'extrême que je me tape. C'est bien un petit zombie, défends-moi! T'es où? T'es parti du coup? Ouais. T'as récupéré ta lave? Hein? T'as récupéré ta lave? Bien sûr. Putain, l'espèce de... Qui c'est qui me... Bien Oh! joué! J'ai vu arriver. Bah j'espère bien, ouais. Pas faut qu'un dégât, mais merde, pas. Aïe. Ah, c'est chiant, je vais me dégoter les ennemis derrière moi, c'est chiant. Hey, oh, t'as fini, hein? Merci pour le poison. Merci pour ton lapin. Alors, je sais pas ce que tu vas faire là. Là, j'ai pas mal de bouffe. Je t'ai vu. Sans déconner. Je vais mettre 15 ans de nouveau. Je suis à 3 ou 4-0, je sais plus. 3. 3, il me semble. Ouais, 3. Bon, j'ai quand même pris cher pour l'instant. Bon, t'as pris cher. Non, non, elle a bien pris cher. Donc t'as récupéré du lapin, il me semble. Ça m'aura pas servi longtemps, mais bon. Bah, ouais, faut former un four, faut toujours former sur soi. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, je m'attendais pas à devoir emmener ça sur sur Warenco, quoi. Sans Ah, tu déconner. m'as dit, c'est la guerre. Oui, d'accord. Après tout. Attention. 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 Oh! Quoi? Pardon. Non, non, rien, j'ai shooté un creeper dans une position assez compliquée. J'étais fier de moi. Aïe. Où es-tu? Dans ton cul. Ça va faire bien sur moi. Ça va faire des déchets d'heure. Ah, je les ai enlevés les shaders. Toujours, pour tous les 5 épisodes, je les enlève toujours les shaders. Une question de principe. Tout à fait. Alors, où il est petit principe?
C'est un rare loot, pas si rare que ça, le poisson. Ah, je suis obligé de faire ma chasse, hein. Désolé, mais bon, au bout d'un temps, voilà quoi. Non, t'as raison. Ah, je m'excuse surtout auprès des viewers parce que ce que je fais, c'est extrêmement inintéressant. Faut pas encore se faire, hein. J'ai 3 points d'avance. Hein. J'ai une kill streak, voilà. Moi je m'améliore à l'arc, c'est bien. Mais bon, au moins, le bon côté des choses, je pourrais pas t'empêcher de prendre ton coulé. Oui, d'accord, mais bon, quand même. Alors, je vais faire une petite réserve de lapin cuit. Je vais faire une petite réserve de lapin cuit des familles. Pourquoi? Bah, il en reste peut-être un quart d'heure, je te vois plus. Hein? Je ne te vois plus, pourtant je te cherche. Oui, moi je cherche à t'esquiver surtout. T'as cru quoi? Que la chasse ça se faisait tout seul? Il faut rechercher le gibier. Il faut attendre le gibier. Et une fois que le gibier est en ta ligne de mire, tu le... Nom de Dieu, j'ai vu une flèche traverser l'arène. Et j'ai dit au pif. Hein. Il est où cet enculé? T'as manqué de me toucher. T'as bien manqué de me toucher, je te félicite. Seulement manqué malheureusement. Mais du coup, j'ai tiré tellement de flèches que je sais pas où je suis. Ah, c'est couillon ça. Oh. Toujours tuer la mère avant de tuer le petit. Hashtag Bambi. Ah, j'ai cru voir. On peut voir un gros minet. Non, j'ai cru voir une flèche. Oh, okay. Bon. Utilité trop faible. Il n'a pas eu le temps de grandir assez pour me donner. Son magnifique poulet. Par là. Aïe, je la sentais venir celle-là, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Pim, pididum, pididum, pum, pum. Où est-ce qu'il est, ce petit con? Il est là. Toujours regarder l'orientation de la flèche. Elles viennent tous du même coin, à savoir par ici. Donc, il est par là, c'est une obligation. Qu'est-ce que je disais? Bah alors, on est tombé de haut. T'es passé où? Tu ne m'as pas tué! Tu ne m'as pas tué! 3-0, mais je survis. Putain de merde! Hop, bon, maintenant je fais des mini-jeux avec mes lags. J'appuie sur tous les boutons avant que mes items reviennent. Zut, raté. Je te chasse quand même, je te chasse. Ouais, ouais, bah moi j'aurais essayé aussi, mais... Il fallait surtout de la bouffe en priorité, quoi. Donc bon. Alors, chers amis, je suis navré, là, pour le coup, je suis obligé de la perdre, celle-là. Hein. On va pas se mentir. T'as des pommes d'or? T'as de la bouffe? T'as la possibilité de me sniper à distance? Alors j'ai... Pourtant, je suis venu au cac. Hein. J'ai la possibilité de te sniper à distance, je suis d'accord. Cela dit, comme tout le monde le sait, je suis mauvais. J'ai pas de bouffe. J'ai pas de pommes d'or. J'ai pas de potion. Bah tu me diras, là t'en as pas non plus. Stratégie dans Warenco. Ouais bah... Pas Warenco. Stratégie, j'ai une tête à user de stratégie.
Oh, qu'est-ce que... Après, si t'es mentalement défaillant pour faire du Ramco, Pour le moment, je suis mentalement... mal. Dans le lag. Non, mentalement mal, déjà, c'est toujours pas si mal. Alors, moi, du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais aller me mettre dans un coin. Parce que maintenant, la victoire, elle est quasiment acquise. Il doit rester 10 minutes, je pense. La victoire t'est acquise, c'est sûr, c'est pas quasiment. Donc je vais faire le quoi, je vais faire une Willy Gmod. Oh bon. Oh bon. Vas-y, insulte-moi. Tant que j'ai aucune répartie, vas-y, je t'en prie, fais. Connard, sans déconner. Et je vais mettre dans la muraille. Ah, je stresse là. Je stresse. Pourquoi tu stresses? J'ai pas envie de perdre. Tu peux pas perdre, c'est pas possible. Faut être réaliste à un moment. Qu'est-ce qu'un bloc de cobble fait là? Et ça c'est de l'opsy, bah oui, pourquoi pas. En train de... Ah oui, d'accord. T'es sérieux, mais c'est quoi cette espèce de couard? Ah merde, il m'a eu. Voilà. Alors, chers amis, il y a... la technique Willy Gmod. C'est-à-dire fuir en courant. Moi, fuir en courant? Qui c'est qui cherche à venir te rejoindre, là? Je ne sais pas. On se le demande, effectivement. Qui c'est le seul glandu qui essaye de te rejoindre? Je ne sais pas. C'est moi que je sache. Oh putain. Je sais pas pourquoi j'ai entendu vaguement de la lave. Ah ! Tout va bien, chers amis, tout va bien. Non, putain! Tous les stratagèmes sont bons, tu n'arriveras jamais jusqu'à moi. Je vois ça, je vois ça. Mais tu sais ce qu'on dit? Vous pouvez m'insérer dans les commentaires, je m'en fous complètement. C'est Warrenko. Ok, bon, courage, fuyons. Alors, oui. J'ai une dernière chance. Putain, c'est quoi ces lags que je me tape, là? Attends, attends, t'es sérieux? Je me tape des lags, je sais pas pourquoi. Non content de casser les couilles, en plus de ça il me fait laguer quoi, sérieux. Oula. Donc là la lave ne peut pas m'atteindre normalement. Parfait. Juste au cas où. Je préfère faire ça comme ça, m'en voulez pas, mais. Je vais d'abord voir ce qu'il se trame là-haut. Ah d'accord, il se trame ça. Ok. De ce côté-là, il se trame quoi? Ah mais qu'est-ce que...
Alors je fais être sincère, je sais pas comment j'arrive à te toucher. Hein. Mais t'es au-dessus? Quelle vieille salope! Comment t'es allé au-dessus? Y'a pas de trou normalement. Ah c'est vrai. Ouais d'accord. Bon bah chers amis, on va pas attendre la fin du compte à rebours hein, parce que là c'est mort. C'est clairement mort, je vois pas ce que je peux faire de plus. Donc espèce de vieille raclure de fond de cale, de trou du cul des chiottes, tu as gagné. Je te dirai bien toutes mes félicitations, mais franchement, voilà quoi. Donc ça veut dire que tu me dois la récompense de l'épisode et un petit contretemps du fait que j'ai passé des épisodes entiers à t'aider pour ta maison. C'est ça. Alors, dis-moi ce que tu veux pour la récompense de la reine. Ah ça je garde. Après tout je l'ai en légite, hein, le foot. Ça, je m'en fous. Qu'est-ce que je veux? 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 Bonne question. Eh bien décide-toi. Décide-toi, décide-toi. Alors. Putain, je m'attendais pas à gagner en fait. Tu t'attendais pas à gagner, tu déconnes. C'était sûr. En fait, je m'attendais pas à ce que tu acceptes totalement fair play. Enfin, je m'attendais à ce que tu râles et que tu rachetes cette arène. Ah bah, j'aurais pu, mais bon, écoute, ce sont les règles du jeu. Petit et plié, non, mais respect à toi en tout cas, parce que c'est dur de faire ce que t'as fait sans but. Bon, du coup, rejoins-moi dans l'igloo. Alors, putain, qu'est-ce que je pourrais te demander, quoi? Donc, on va faire un truc, c'est que... Première possibilité. On va dire que ça regroupe les deux demandes. De quoi? Le fait que je t'ai aidé et le fait que j'ai gagné rien. Et ça me permet d'avoir les demandes un peu plus hautes. Ça te va? Tout dépend de ce que tu me demandes. Alors, première possibilité, c'est de... sera de... sera de, donc, comme je t'avais dit, tu passes level 39, tu enchantes les 3 bouquins au 3ème level d'enchant de la table d'enchant, et tu me les files. Peu importe ce qu'ils sont. Si c'est de la merde, c'est de la merde, et du coup, j'aurais foiré. Si c'est des trucs bien, tu me les donnes quand même. Et je veux que tu le fasses en vidéo pour que ce soit témoignage de du gage. Ok, okay. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? L'autre truc que je propose, c'est quoi? Que quand on fera l'Under Dragon, tu me laisses... tu me laisses l'XP de l'aide normalement. Ça va pas non plus qu'on me crée plus que ça, tu vois. Eh, ça regroupe deux trucs que tu me dois, hein. Tu remarqueras que tout tourne autour de l'XP, hein. Parce que c'est ce que je pense principalement. Ou alors... Troisième possibilité. Ou alors, tu m'autorises à aller dans ton spawner à squelette juste avant peut-être le dernier quart d'heure de l'épisode qui précède le fight. Non. Alors écoute, ça va être extrêmement simple. L'Ender Dragon, c'est mort. Ouais, peut-être stop. Un peu tard quand même. Non mais je tiens à le dire. C'est le délai. Donc l'Ender Dragon, c'est mort. Parce que moi aussi, je suis même pas d'XP, faut pas déconner. Mon spawner, c'est mort aussi parce que c'est mon spawner, tu vas le faire. Donc, et bah, ce sera les 3 livres. Les 3 livres avec l'XP. Lors du prochain épisode, j'aurai 39 levels d'XP. Et parce que je vais pas me faire chier à XP en vidéo, faut pas déconner. Et bah, je vous montrerai les enchantes un peu. Par contre, tu me fournis de la pile à Zuli. Et oui, ça c'était point de collision sine qua non, tu me le fournis. Ah, ça me coûtera que 9 lapis. Oui, voilà, ça t'en coûtera que 9, hein, tu me diras, mais... Bon, donc, je serais... Tu vois quand même que je suis vachement généreux, quand même. Ouais. Parce que ça peut être genre 3 bouquins qui me servent à rien, quoi. Oui, d'ailleurs, tu me fournis les livres aussi, hein, faut pas déconner. Hein. Ah non,
Ah bah si, c'était pas une condition sine qua non, c'était juste que j'enchante les livres. Oui, Il que n'a tu enchantes les livres, ouais. Bah, jamais pour été moi, c'est question. des livres à toi. Non, non, il n'a jamais été question que j'amène mes propres livres. Ah bah non, bah dans ce cas-là, ça regroupe pas les deux défis, hein. Ah bah si, tu Ah déconnes ou non. quoi? Ah bah non, ça va me coûter plus que ce à 4 fois, donc je suis désolé, non. Tu déconnes? Si jamais t'as trois enchantes méga cheatées, ça va te... Non, je suis pas d'accord. Il faudra quoi pour fusionner les trucs à méga cheatés? Il faudra mixer, du coup moi j'en aurai toujours pas, donc moi ça va me coûter plus qu'autre chose, hein. Ah ouais, c'est pas faux. Enfin, quand tu mets en balance l'Under Dragon, ton spawner ou, ces trois, ou les trois livres, faut quand même que tu apportes les livres. Ah, tu fais chier. Bon, bah d'accord, allez. Ou alors je rapporte les livres et je monte le nombre de livres à 4 ou 5. Ah non, 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 non. 3 déjà, je trouve que c'est un peu trop. Hein, on va pas se mentir. Donc bon, va pour ça. Je t'amènerai les livres et je les enchanterai alors même qu'on sera en vidéo. Pas de problème. Oh putain, connerie. Alors du coup, attendez, on va retourner au spawn du monde. Et puis bon, on va noter que c'est encore cette grognasse invétérée qui a gagné. Il faut aller dans Hop. Arène. Eh oui. Donc pour l'instant, quand même, je mène d'une large tête, hein. Si on cumule tous les scores, ça nous fait donc du 19, Ça va, n'en rajoute pas. 23 à 2. N'en rajoute pas. Pourquoi 23 à 2? Si on cumule tous les scores qu'on a fait tout le début. Ah ouais, ah bah putain, on est pas dans la merde. Bon, c'est quand tu veux que tu le poses ton putain de. Ah putain, alors. Combat épisode 30 du coup. Oui, je sais. Compa, 3-0, épisode victoire de 30. Pietro. 3-0. Merde, victoire de Pietro. Et ben voilà. Et ben décidément, putain, on en aura chier. Alors je vous rappelle que dans un mois, jour pour jour, hein, normalement, il y a l'épisode 40, à savoir l'épisode où vous pourrez vous fight avec nous. Donc, je vous invite toujours à venir sur le serveur, hein, afin que vous puissiez allègrement vous fight. Voilà, moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je suis navré, je suis pas en ultra grande forme, mais j'ai mal au crâne, ça me casse les couilles. Il est Et sauté en plus, je à suis la salty, gloire de tout Monsieur à fait. Creeper. C'est ça, Nous aurons une pensée pour ce connard de fils de pute. Donc voilà, moi j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Warren Code 2. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine. Francis, Francis. Tu veux du sel? Oh, tu sais à quel point je te déteste. Dégage!